son père s'est attaché à lui, lui a donné une bonne éducation. Et il a pu, dès l'âge de 7 ans, venir étudier en France, en France hexagonale. Et il s'est très rapidement distingué par son talent. Au niveau où il était, il passait pour le meilleur escrimeur d'Europe. Personne n'aurait osé se mesurer à lui au cas où on aurait accepté un duel. On peut même se demander si au fond il n'a pas pratiqué l'escrime à très haut niveau pour pouvoir tout simplement être tranquillement un musicien. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de contradiction entre la manière dont on tient un fleuret et la manière dont on tient un archet. Il était, quand on voit certaines de ses partitions, très bon instrumentiste, parce que c'est difficile à jouer. Je pense notamment à ses sonates pour deux violons, qui sont inédites, mais qui sont un bel exemple de sa virtuosité. Comme les grands compositeurs, il est inclassable. Les quatuors de Saint-Georges sont extrêmement intéressants et méritent une attention toute particulière. Alexandre Dumas parle de lui, alors l'histoire est évidemment très rocambolesque. Il patine sur le grand canal de Versailles qui est gelé et il écrit quelque chose avec ses patins à glace pour avertir d'un danger. Donc on lui a prêté beaucoup de choses, on a dit qu'il pouvait traverser la Seine avec une main dans le dos et toutes sortes d'exploits sportifs. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, mais on peut imaginer quelqu'un qui était très sportif. Et qui excellait dans beaucoup d'arts. C'est un personnage à la mode et en même temps, c'est un personnage qui dérange et qui n'est pas vraiment accepté. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent la relative méconnaissance de Saint-Georges. Chez les mélomanes, on l'a jamais oublié, il a toujours été mentionné dans les ouvrages savants comme un... comme faisant partie indiscutablement de l'école française de violon. Il a été davantage du grand public, peut-être parce qu'on n'a pas assez joué. Probablement, il y a eu un relatif désintérêt du fait de ses origines, parce qu'au 19e siècle, au 20e siècle, dans une moindre mesure, c'est vrai que le préjugé de couleur régnait. Alors on a parlé du Mozart noir, moi je m'inscris complètement en faux par rapport à cette vision racialiste des uns et des autres. La musique n'a pas de couleur, la musique c'est la musique, la couleur c'est pour les yeux, la musique c'est pour les oreilles et pour l'esprit, surtout pour l'esprit. Et je pense que tout naturellement, la qualité de ses compositions fait qu'il reviendra dans le répertoire. C'est une musique très originale et qu'il classe vraiment à part et mérite d'être salué, non pas comme un phénomène de foire, si j'ose dire, mais simplement comme
un musicien, c'est ce qu'il aurait, je pense, aimé être, tout simplement, indépendamment de sa couleur, de ses origines et puis de ses exploits sportifs, en tout cas des exploits qu'on lui prête. Otep, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ça me fait un peu bizarre parce que j'utilise la caméra de mon ordinateur. Donc, ne soyez pas trop étonnés de la qualité de la vidéo qui est moindre. Vous savez que je suis en train de déménager, je suis dans les cartons. Donc, tout mon matériel est dans les cartons. Je voulais quand même maintenir le rythme de live. Donc, je fais le live avec les moyens du bord pour garder contact avec vous. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle session d'Histoire noire consacrée aux chevaliers de Saint-Georges. Non, le programme n'a pas changé plus qu'en principe. Je devais faire un live sur les Andamanais, hein, puisque les Noirs d'Asie, on n'avait pas terminé. Il y a effectivement un live qui va être consacré aux Andamanais et aux origines noires du Japon. C'est que pour les Andamanais, je n'avais pas beaucoup de contenu pour pouvoir meubler tout un live d'une heure au moins. Donc, je suis en train de continuer à rassembler du contenu pour voir comment je peux faire ça ou bien imbriquer le tout en un seul live avec le live sur les Noirs, les origines noires du Japon. D'accord? Donc, voilà, rassurez-vous, je ne suis pas zinzin, je n'ai pas annoncé des choses que je ne respecte pas. Je compte bien faire la suite des Noirs d'Asie. Donc, les Andamanais, les origines noires du Japon. Mais c'est une affaire de contenu. Il y a aussi la troisième partie du live consacrée aux morts, les autochtones du Maghreb. D'accord? C'est bien noté. On va y revenir. Aujourd'hui, bienvenue bébé, hein, j'espère que ça va. Bienvenue à Drick. Drick est là aussi. Coucou Drick. Ça va Drick? Mam, Otep, Otep, la famille est là. Hein, vous commencez. Tout ça arrivé au tep, à Drick, à Mam, Iboga, ça va? Au tep à toi, mon frère. Bienvenue à tous, à notre Soso, à tous. Voilà, partagez le live, hein, puisque vous savez que ce n'est pas YouTube qui va mettre en avant le genre de contenu que je produis. Il n'y a que vous qui pouvez le faire avec moi. Donc, voilà, je compte sur vous. Live aujourd'hui consacré aux chevaliers de Saint-Georges. Déjà, est-ce que vous le connaissez ou pas? Parce que moi, j'entendais le nom, mais je ne le connaissais pas. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert. Et je crois que nos sœurs de Guadeloupe doivent forcément le connaître parce qu'il est tellement, là-bas, il est très encensé, hein, puisque sa mère était justement une esclave, Nanon, l'esclave de Guadeloupe. Donc, c'est sûr qu'effectivement, qu'il doit être connu. Guadeloupe, Martinique, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous en aviez entendu parler ou pas? Est-ce que vous saviez qui est Saint-Georges et tout ça? Et ce qui est bien, c'est que ça tombe pile poil dans l'actualité parce qu'il y a un film qui est sorti que vous pouvez, qui est disponible, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les VOD. Un film lui est consacré qui a été produit c'est Disney hein, qui a produit ça. Et il y a un film là qui est consacré justement au chevalier de Saint-Georges. C'est d'actualité quoi, je trouve que c'est bien. Dans mes recherches, je suis tombée sur le film semaine dernière et pile poil, on fait un live dessus. Drick ne connaissait pas, mais Mam disait qu'il avait entendu parler. Je vous avoue que c'est une histoire, quand on fait le tour de cette histoire-là, c'est lourd. On découvre un homme brillant, extrêmement brillant, qui a trois cordes hein, d'excellence hein, à son arc, d'excellence parce que dans ces trois lignes-là, il a été premier, vraiment brillant. Parce que quand moi je parle d'excellence, c'est que tu brilles mieux qu'une étoile, hein, pire que la lune. Donc il a brillé, il avait d'abord la corde liée à l'escrime, donc c'était un sportif hors pair. Ensuite, un brillant militaire dans l'armée, parce qu'il a été dirigeant il a commandé une légion étrangère. Les tout premiers corps des légions étrangères, comme on retrouve aujourd'hui en France, c'était eux. Et ça a été lui qui a dirigé la première légion étrangère noire, notamment des Amériques. Et devinez qui était son second,
le général Dumas, qui était le père d'Alexandre Dumas. On fera un live sur lui semaine prochaine. Troisième corde, un brillant musicien, d'où son surnom qu'on a essayé de lui donner, Mozart Noir. Et vous remarquerez que j'avais mis le titre Mozart Noir que je suis venue supprimer après parce que c'est un peu comme lorsqu'on appelle chacun Zulu le Napoléon Noir. C'est un peu comme si Napoléon et Mozart étaient forcément en dessous, au-dessus, et chacun Zulu en bas ou bien le chevalier de Saint-Nom. Il a ses propres spécificités musicales, effectivement, a droit à sa propre identité. Donc, c'est franchement, c'est une histoire assez intéressante. Et quand on continue à creuser, on découvre qu'il a été le premier franc-maçon mulâtre, hein, il disait à l'époque métis, noir du coup, métis, voilà, il a été le premier franc-maçon parce qu'effectivement, il avait énormément de liens avec la franc-maçonnerie, ça, on ne peut le nier, ce ne sont pas des... puisqu'il a vraiment été lancé un peu par le courant franc-maçon. Je trouvais intéressant au point de vue culture et histoire de connaître son histoire et en même temps de voir en fait comment les réalités sociales à l'époque, dans la société dans laquelle nous vivons, comment les réalités sociales, même quand tu es extrêmement bon, comment les réalités sociales te rattrapent. Vous voyez, ce fameux plafond de verre, comment vous vous faites avoir. Je vous passe quand même un extrait du film. Il n'y en a que pour 3 minutes hein, maximum, pour que vous puissiez voir un petit peu et aussi pour vous donner envie, bon, pas forcément pour faire l'argent à Disney aux autres, mais je me dis qu'au point de vue culturel, c'est bien, même si on sait très bien que les films, c'est toujours les versions édulcorées, mais c'est toujours bon de voir les extraits, d'aller voir et après de reprendre des livres et tout ça. Et en source, il y a pas mal de choses. Attraction K, bienvenue. Pour rappel, vous avez dû voir au début que je vous ai passé une personne qui s'exprimait. Cette personne qui s'exprimait s'appelle Claude Ribe ou Ribé. Oui, il faut vraiment lui faire hommage parce que dans beaucoup de sources d'écrits que j'ai trouvées, je vois que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur le Chevalier de Saint-Georges. Il a produit 2 films, 2 documentations et des livres. Il a plusieurs livres sur lui. Donc, je trouvais déjà que c'était la personne la mieux appropriée, hein, vraiment, pour en parler. On fait un petit tour, on regarde les extraits, si vous êtes OK. Voilà. Bienvenue à Paris, Joseph. Monsieur, je crains que ce ne soit pas un endroit bienveillant pour un garçon comme celui-ci. Des talents, il en a beaucoup, mais un en particulier qui est exceptionnel. Comme vous voudrez. Je me suis rendu compte que plus j'excellais, et moins je me sentais seul. Aimez-vous tant la compétition ? Vous êtes le poseur qui a saboté le concert de Mozart. Puis-je jouer avec vous, monsieur ? J'espère que ce ne sera pas humiliant pour vous. Qu'est-ce qu'il fout là ? Vous êtes un homme tout à fait remarquable, Joseph. Moi, Marie-Antoinette, reine de France, je vous nomme en ce jour chevalier. Dans aucun autre pays, un homme de votre couleur ne porterait des habits aussi élégants. Un jour, le monde entier me connaîtra. Et bien sûr, la musique sera spectaculaire. Osez. Votre place n'est pas ici. Vous êtes un monstre de foire, une bête qui joue du violon, voilà tout. Vous savez que je suis le meilleur. Tu joues un jeu dangereux, mon cher. Vous oubliez d'où vous venez, mon garçon. Brisez-lui les mains. Ce monde est bien injuste pour nous, mon fils. Et on a toujours le choix de se battre. Je vais monter un concert pour financer la révolution. Je ne puis me permettre d'avoir encore plus d'ennemis. La France est en train de changer. Tu pourrais être bien plus influent que tu ne le crois. Tire-en sans parti. Si vous montez sur scène, vous serez effacé. Il n'y aura pas de nouvelle France. On ne peut renverser ce qui a été ordonné par Dieu. Tout ne tourne pas autour des gens de votre espèce.
Voili, voilou, je ne sais pas comment vous avez trouvé, moi j'ai aimé. Oui, bien sûr, vous pourrez monter tout à l'heure. Je fais la présentation, oui, vous pourrez monter. Ren, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver. Otep, ma sœur. Ça va? Tu as changé de... Tu ne montes jamais, hein, donc ça fait plaisir si tu montes chez moi pour la première fois. Sois la bienvenue, Sista. J'espère que tu vas bien. Otep. Donc, j'espère que le contenu vous a... Otep Bunto, j'espère que ça va. Otep à vous. Otep. Donc, Chevalier de Saint-Georges, on attaque? C'est parti. Voilà. Voilà. On attaque. Voilà un petit peu. Vous me dites si vous voyez bien, hein. J'ai pas le micro, donc je pense que le son doit être un peu étrange. Donc on va faire ça comme ça, hein. On va faire ça comme ça. Le son est assez. Je sais que le son, bon, ça va pas être parce que c'est le son de mon ordi direct que vous aurez. Donc on va faire comme ça. Voilà. Le chevalier de Saint-Georges. Alors, en allant découvrir cette histoire-là de l'homme qui est appelé Mozart Noir, hein, alors que, bon, moi, je trouve que Chevalier de Saint-Georges suffit, il a sa propre identité, on n'a pas besoin de le comparer justement à Mozart, parce que pour moi, nous sommes vraiment sur deux personnes totalement, mais totalement différentes. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Comment pouvons-nous commencer, je dirais, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous commencer en disant, je vois déjà dans les commentaires tout à l'heure que il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, hein? Hein? Soso, oui, puisque bon, Soso est en Guadeloupe, donc je vous ai dit hein, que les Guadeloupéens doivent forcément le connaître parce que ah, car, ce monsieur, c'était pas n'importe qui, donc c'est forcément, c'est sûr que les Guadeloupéens le connaissent. Ça, j'en étais sûre. Il s'agit d'un musicien, comme vous avez dû voir dans les extraits, violoniste, escrime, militaire. Donc, c'était vraiment un très grand personnage. Hein. Et à son époque, nous sommes dans le 18e siècle. D'accord? Métis, il dit la crème de blanchiment. Non, il était métis, Drick, arrête ça. Il était métis. De père colon français et de mère esclave, hein, à l'époque, une mère esclave qui s'appelait Nanon en Guadeloupe. Alors, il faut savoir, pour bien nous resituer dans le contexte de ce chevalier de Saint-Georges, nous sommes à l'époque des Lumières lorsqu'il brille, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Et l'époque de la philosophie des Lumières, donc au temps de Voltaire, Rousseau et compagnie. Et sa naissance, rappelons-nous quand même le contexte, comme je vous dis, parce qu'on a étudié le Code Noir ici dans les années 1800, et on rappelle qu'il est né très exactement le 25 décembre 1745, d'accord? Il est décédé. Il est décédé un peu plus tard, il est décédé en 1799, mais est né le 25 décembre 1745. Nubian African, bienvenue à toi, j'espère que ça va, merci d'être là. Vous voyez, alors, c'est important de se rappeler ces contextes-là parce que c'est ce qui va déterminer sa vie. Donc, on a un jeune homme qui naît, un garçon qui naît près de Basse-Terre, en Guadeloupe. D'une mère esclave qui s'appelle Nanon, d'accord, et d'un père colon français. Alors, on sait que la famille du père était de base d'Angoulême, originaire d'Angoulême. Angoulême, une région de la France. Donc, ce sont, et on disait à l'époque, les deux Bologne ou Boulogne, en fonction de la prononciation, les deux Bologne étaient justement natifs d'Angoulême. Et ensuite, est-ce que vous voyez bien? Parce que quand je vois mon écran, j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Est-ce que vous voyez bien et tout?
Vous voyez bien? Ok. Si vous ne voyez pas bien, je retire le chat. Dites-moi si vous voulez que je retire le chat ou je garde comme ça. D'accord? Je continue. Alors, les Bologues, c'est-à-dire la famille du père colon français, est une famille de Bourges, hein, une bonne famille d'aristocrates, originaire d'Angoulême. Et il quitte Angoulême justement pour aller faire un peu le business, pour s'installer à l'époque dans le cadre de production agricole, pour aller s'installer en Guadeloupe. Vous voyez les ancêtres des Béquets là. C'est eux qui sont là, là-bas, les deux Boulogne, machin là. Ils vont s'installer en Guadeloupe, à Basse-Terre. À savoir que Monsieur de Boulogne lui-même est marié. D'accord? Lui-même est marié, puisque dans les archives, on retrouve des documents au nom de Madame de Boulogne, mais on voit quand même que le fils appelé justement Joseph de Boulogne est le fils de Nanon. Nanon qui était l'esclave qui travaillait dans cette maison-là. Elle, quand elle est tombée enceinte de lui, elle avait environ 21 ans. D'accord? Le contexte, c'est ça. C'est pour ça que je donne bien le contexte. Et à l'époque, on sait que c'est le Code noir qui réglemente, qui octroie le statut des esclaves, qui régit le statut des esclaves à l'époque. Et à l'époque, rappelez-vous, ça faisait partie d'une des règles du Code noir. Quand vous naissez d'une mère esclave, vous restez esclave. Vous vous rappelez de la règle, de cette loi du Code noir, de cet édit. Vous naissez d'une mère esclave, même si votre père est colon, même si votre père est libre, même si votre père est riche, vous ne demeurez pas moins un esclave. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien de cette affaire-là. Donc, quand vous naissez d'un père esclave, d'une mère, puisque la filiation de l'esclavage se faisait par la mère. Donc, tant que la mère est esclave, vous êtes esclave. Eh, Oum, ça va mon frère? Il y a super longtemps. Ça fait plaisir de revoir la famille. J'espère que vous allez bien. Je suis dans ma cuisine, hein, vous voyez, donc faites pas attention. Puisque j'ai la famille au salon là-bas, donc faites pas attention au cadre, mais c'est mieux que d'être là-haut dans les chambres parce que le réseau capte moins bien. Donc j'espère que normalement on doit avoir un meilleur réseau ici. Donc, à l'époque du code noir, comme on disait, vous naissez d'une mère esclave, vous êtes esclave. D'accord? Même si votre père est un bourge, même si votre père est riche, qu'importe. À partir du moment où la filiation, votre mère est esclave, vous êtes esclave. Donc, ce fameux Joseph de Boulogne qu'on voit est né justement d'une mère esclave appelée Nanon. Malgré que son père était un riche propriétaire, comme c'était le cas de beaucoup de métis à l'époque, il avait le statut d'esclave. Il avait le statut d'esclave, vous voyez? Voilà. Il avait le statut d'esclave. Donc, c'est pour dire que sa peau l'a rattrapé. On aura beau dire, il a une éducation et tout, hein, qu'on va voir le déroulé, on va expliquer un peu comment ça s'est passé pour lui et tout. Il a eu une excellente éducation. Il semble même que, voilà, il a eu son père qui l'a bien gâté et tout. C'était bien, mais ça n'a pas empêché quand même que son statut d'esclave, il n'a pas été libre comme ça tout de suite. Donc, c'est quelqu'un dès sa naissance qui était dans les conditions d'esclave, puisque le code noir gérait ça. Contrôlait ou régissait son statut. Ouais, le français est compliqué ces temps-ci, mais... Donc, pour rappel, Guadeloupe à l'époque, comme c'est toujours le cas, hein, appartenait à l'Empire colonial français. On est dans les années 1700, peu avant les colonies, puisque le début des colonies, ce sont les années 1830 et quelques. C'est pour ça que je vous donne les dates, pour qu'on se situe bien. Au temps de Joseph de Boulogne, là, nous sommes, il est en 1745. Donc, à savoir que le code noir, là, on est dans des années 1700-1800. OK? Voilà. Et à l'époque de Louis XV, Louis XVI, puisqu'il va devenir très proche de Marie-Antoinette, qui était l'épouse de Louis XVI, peu avant la Révolution, puisqu'il va combattre même. Voilà. Je donne déjà des petites lignes. Donc, mère esclave, père colon. Le père, normalement, disait... Père colon et mère esclave.
sa mère Nanon, qui était une esclave du Lamantin. Lamantin qui est, beaucoup de gens vont le connaître ici, hein, une province, une ville, une localité de Guadeloupe. On retrouve dans les archives qu'il est arrivé à Bordeaux en 1753 à l'âge de 2 ans. Et il faut savoir qu'à l'époque, selon l'État, l'édit de Louis X, tout esclave qui met les pieds à Bordeaux est tout de suite affranchi, c'est-à-dire a droit à une liberté. Alors, son père, qu'on appelait Pierre Bardin, puisque le père même, on disait Georges de Boulogne, mais un autre nom, Pierre Bardin, signe un testament en faveur de son fils devant chez le notaire à cette époque-là et devant des témoins, puisque dans les archives, on retrouve certaines pièces où son père, justement, lui avait légué des biens. Donc, comme on disait tout à l'heure, la famille de Bologne, qui était le père, hein, on va montrer le père quand même. Est-ce qu'il y a les images? On dit de Bologne, regardez ce qu'il nous montre là. Pardon. Ok. Georges de Bologne. Voilà, Georges de Bologne, Saint-Georges. On veut voir le père, il nous remonte le fils encore. On avance vite pour ne pas traîner. Bon, ils ne veulent nous montrer que le fils en mode beau gosse. Hein. On va garder ça comme ça. Donc, comme on vous disait, la famille originaire d'Angoulême, dans le cadre de leur business et de leurs affaires, ils vont s'installer en Guadeloupe. Le père, justement, est fou d'escrime. Le père de Joseph. Hein, puisque c'est Joseph qui est le chevalier de Saint-Georges. Le père est fou d'escrime. Et quand ce père arrive en Martinique, il se fait des amis du voisinage et tout ça, et organise souvent des duels. Vous voyez, des duels d'escrime et tout chez lui et tout. Et lors d'un duel où il s'amuse avec des amis et un voisin, le père de Joseph de Boulogne tue accidentellement le voisin. Donc, lors d'un duel, le père de Joseph de Boulogne tue vraiment à mort, hein, voilà, tue un homicide involontaire, hein, puisque c'était dans le cadre d'un duel, mais il tue accidentellement le voisin. Vous voyez? Et le voisin, ben, il est mort. On l'a tué, il est mort. Voilà, je sais, je vous dis rien de neuf, mais voilà, il le tue. Simplement que, à cette époque, pour le père de Joseph, c'est grave parce qu'il sait pertinemment qu'à l'époque, il y a la peine de mort qui existe. Donc, il va mourir. Déjà, c'est sûr que c'est zonzon direct, peine de mort. Parce que celui qui l'a tué aussi, ce n'était pas n'importe qui. Il va perdre ses terres. Et au passage, à l'époque, Joseph n'a pas le titre puisqu'il est assimilé à un bien meuble. Donc, il est la propriété du père, de son père. Donc, le père sait que s'il reste sur basse terre comme ça, non seulement il va en prison, mais on va confisquer les biens et tout, et on va vendre son esclave Nanon, qu'il aime bien, hein, puisqu'il aime bien Nanon, hein, voilà. On va vendre son esclave Nanon et on va vendre son fils, puisqu'ils sont assimilés à des biens. Donc, on va récupérer la maison, ses esclaves et son fils, et on va les vendre. Ce que le père Georges ne veut pas. Donc, le père Georges organise son départ pour fuir Basse-Terre. Fuir Basse-Terre et aller justement à Bordeaux, en France. Donc, c'est comme ça que la famille de Bologne trace. Quitte Basse-Terre, quitte la Guadeloupe pour aller à Bordeaux. Donc, eux, ils se lèvent, bang, bang. Or, à l'époque, pour passer, on ne passait pas comme ça. C'est un peu comme les frontières, même si c'était sa propre esclave. Il fallait demander une autorisation. Donc, dans les archives, on retrouve une autorisation. Je vais vous la montrer. Où on voit justement que on donne l'autorisation, nanani, nanana. On donne l'autorisation justement à la fameuse maman. Voilà. À l'époque, on parlait de l'amirauté. Permission de l'amirauté. Voilà. Vous voyez bien le document. Voilà, c'est cette archive-là quand on retrouve permission en 1748 pour Madame Saint-Georges d'amener Nanon
qui était justement la femme esclave du père de Joseph, et Joseph, son fils, en France. Et on voit bien la lettre hein, où il explique justement que, voilà, cette femme que vous voyez de type créole, et c'est dans cette lettre-là, c'est en lisant cette lettre qu'on a une idée, en fait, de comment la mère de Joseph de Boulogne était représentée. Une belle femme, Nanon, de toute façon, on sait qu'elles étaient canon, hein, à ça, environ une vingtaine d'années. Et à l'époque où Joseph quitte Basse-Terre pour aller sur Bordeaux, Joseph a 2 ans. Donc, c'était un bébé de 2 ans et on était dans les années 48. Il avait déjà 2 ans révolus. Donc, c'est pour ça que quand on calcule, les calculs tombent juste. Il ne peut être né qu'en 45. Parce qu'à un moment donné, on n'était pas très sûr des dates. Mais quand on recalcule, il était bien né dans les années 45. Vous voyez ? Donc, ils sont tous partis pour aller s'installer à Bordeaux. Bordeaux, maintenant, c'est là-bas que le père profite, comme je vous disais tout à l'heure, pour reconnaître son fils via un testament devant des notaires et des témoins pour donner un statut, quand bien même que bon, le fils n'a pas tous les droits. On est à une époque encore où l'esclavage fait son plein, on le sait. Mais bon, le père essaye de mettre des petites choses en place pour donner un peu d'espace au fils et tout ça. Donc, c'est dans ce contexte-là que, justement, notre cher Joseph de Boulogne est encadré. Et il est bien entouré, hein, Joseph. Hein. Il est entouré d'une tante qui s'appelle Christine de Boulogne, qui était à l'époque comtesse, d'une sœur qui était marquise et d'un oncle qui était un grand homme politique. C'est pour vous dire qu'il a grandi dans un milieu avec de l'éducation, avec... C'était des nobles, hein, des nobles de l'éducation, des gens à l'époque, excusez-moi le terme, je ne vais même pas le répéter parce que c'était propre, mais c'était des gens d'une certaine classe. Voilà, je vais dire classe parce que si je dis le terme, c'est trop vulgaire, mais des gens d'une certaine classe, vous voyez. Et c'est là qu'il rencontre une rencontre qui va vraiment changer sa vie. Il va rencontrer les fameux Laboissières. Les Laboissières qui vont se charger de son éducation. Puisque vous saviez qu'à l'époque, l'internat, le fait d'envoyer des enfants en internat ou dans des pensions, dans des écoles, c'était comme ça hein, qu'on éduquait. Et c'était vraiment les bourges qui avaient accès à ça. Vous avez une école où on vous apprend tout. L'art militaire, les mathématiques, les sciences, la philosophie, la lecture, musique, sport, tout. Donc, il arrive et c'est là qu'il rencontre ce fameux monsieur de Laboissière qui va devenir son maître d'armes à l'âge de 13 ans. Donc, il commence vraiment à partir de 13 ans. Et ce Laboissière-là, vraiment, va le cadrer. À savoir que ce Laboissière est quelqu'un apparemment de très bon, de très convoité, qui est tout ce qui est métier d'armes et tout ça, qui était bien, mais en plus, qui avait aussi des relations. Donc, c'est comme ça que Joseph de Boulogne commence à se démarquer sur 3 grandes lignes, comme on disait tout à l'heure en introduction, l'escrime, la musique et l'armée, hein, parce qu'il a une très grande carrière militaire aussi. En formation, pour revenir précisément sur sa formation, parce que ce n'était pas n'importe qui, hein, c'est pour ça que je vous dis quand même qu'il faut en parler, il ne faut pas simplement le réduire au champ de musicien. Il a été, enfin, c'est vraiment quelqu'un qu'on va dire d'éduqué. Et je pense aussi que s'il a autant brillé, c'est parce que c'est vrai qu'il a été éduqué, il a eu un encadrement, il a eu de bonnes, mais c'est parce qu'il a pu justement développer ses capacités. Il a eu un cadre, il avait des capacités de base, mais il a eu un cadre pour pouvoir développer, vous voyez, ces fameuses ces capacités. Et du coup, il a une grande aptitude en art et en exercice du corps. C'est comme ça qu'on commence à voir. Une grande aptitude, tout ce qui est exercice du corps, sport et tout ça, et dans les arts aussi, il commence à se lâcher, à développer. Ensuite, on le transfère dans une pension chez Nicolas Texier, toujours de Laboissière, parce qu'il était allé chez quelqu'un d'autre. Et après, on l'a renvoyé chez de Laboissière, Nicolas Texier. Et c'est là qu'il reçoit également une éducation de gentilhomme. Alors, carrière militaire. Carrière militaire. Alors, on va quand même, carrière militaire, on va voir ce qu'on peut trouver en image ici.
Voilà. C'est ça que j'ai trouvé pour l'instant. Vous savez que de toute façon, quand on parle d'escrime et qu'on parle d'armée, il y a un lien. C'est un bon escrimeur. Donc ça veut dire déjà que dans le sens du duel, des combats, il avait déjà des facilités et un don. Vous voyez? Donc en carrière militaire, il était extrêmement bon. On nous dit qu'à partir de 1761, je vous cite les sources hein, en fin de live, parce qu'il y a énormément de sources. Si vous voulez aller voir, et je vais vous demander aussi de préparer de quoi noter. En 1761, à l'âge de 14 ans, justement, il est admis dans l'un des corps de la maison militaire du roi. Parce qu'à l'époque, c'était Louis XV, Louis XVI. Louis XV, c'était l'époque de son père. Louis XVI, c'est son époque, puisqu'on va dire qu'il redevient très proche de Marie-Antoinette. Donc, il intègre, justement, à l'âge de 14 ans, l'un des corps de la maison militaire du roi, qu'on appelle les gendarmes de la garde du roi. 1792, les légions franches sont créées, puisqu'à l'époque, on ne dit pas français, on dit franc et franche, voilà. Donc, les légions franches sont créées. Et à l'époque, les légions, c'est quoi? Les légions, c'est en fait, comme vous savez, c'est le corps militaire qui ne rassemble que les étrangers, les Indiens, les gens d'autres pays, nationalités, mais qui vont servir la France en fait. Et les premiers corps de légion à l'époque, c'était 1792, il a été le commandant de ce premier corps-là. Et du coup, il va diriger justement les légions noires, amérindiennes et tout ça. Il devient le premier colonel, je ne vais pas dire de couleur, mais le premier colonel foncé, voilà, métisse. Le tout premier colonel, on va considérer comme métis noir de l'armée française. Mais moi, je dis métis parce qu'un métis n'est pas noir. Un métis, c'est métis. Voilà. Donc, le premier colonel métis de l'armée française. Et à l'époque, justement, en 1792-93, quand il est nommé premier colonel, qui est son second? C'est le fameux général Dumas, qui est le père d'Alexandre Dumas. C'était tous les deux des métis, là, voilà. Voilà. Donc, le premier colonel noir, et à l'époque, je pense que Dumas devait être colonel ou général. Ça m'étonnerait, peut-être qu'il était à l'époque général comme lui, ou au-dessus de lui, mais peut-être qu'il était colonel. On verra semaine prochaine quand on fera Dumas. Vous voyez? Et c'est là qu'il combat pour la Légion. Mais malgré tout, il est suspecté d'avoir des affinités avec la royauté, parce que tout le monde sait qu'il est proche de Marie-Antoinette, qu'il apprécie bien, qu'il aime bien et elle l'aime bien aussi. Vous voyez, donc, ça va jouer contre lui et ben, ça va griller en fait sa carrière. Ça va le casser. Et du coup, il sera même emprisonné pendant une année à cause des liens qu'il a avec. Et n'oublions pas que nous sommes sur la période de la Révolution française. Puisque là, je vous donne la date 1792. La Révolution française, on est en 1700. 89. Et il est proche de Marie-Antoinette, donc de ceux qui sont au pouvoir. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la carrière militaire. Concernant l'escrime, bon, modèle pour les meilleurs athlètes, hein, placé en 1759 à l'âge de 13 ans, parce que militaire, c'était dans les études, c'était à partir de 13 ans, le sport, l'éducation, 13 ans. Militaire à partir de 14 ans, il a intégré la Légion, mais 13 ans, il savait déjà escrimer. Il escrimait grave. Vous voyez? Grave. Et il semble que il était terrible, hein? Qu'il était très bon, très rapide. Hein? Il y a des représentations de lui, il y a eu des duels vraiment, voilà, ça c'est l'un des duels les plus connus représentés. Avec un homme qui avait l'habitude de se travestir en femme, qui avait l'habitude de se travestir en femme pour combattre. Donc, voilà. Quand vous parlez de Saint-Georges, le tableau là, c'est un tableau que vous allez souvent voir, avec l'homme habillé en femme là. C'est un homme qui avait l'habitude de se travestir pour jouer. Bon, vous savez les délires des locaux là, ne me demandez pas d'expliquer.
Voilà ça seulement. Prenez ça comme ça, comme je vous dis là. Moi, je n'ai pas cherché à savoir pourquoi la personne se travestissait. Ah, moi, j'ai juste vu que la personne se travestit. Ah, chacun sa logique. Ah, je dis ça, je dis rien. Oh. Donc, et il était modèle pour les meilleurs athlètes à cette époque-là. Placé en 1759 en pension à l'Académie des Streams, justement, il apprend, il développe et ce n'est pas une femme. Vous savez que vous allez revenir dessus. Ce n'est pas une femme, ma belle. On dirait, mais ce n'est pas une femme gay. C'est un garçon qui est là-bas avec robe de femme. Ah, ça, c'est leur autre délire, ça. Hein. On les laisse là-bas. Donc, il fait une formation d'escrime équitation qui va se dérouler aux Tuileries sous la direction d'un maître écuyer. Très rapide, d'une vitesse surnaturelle. Il fait environ 1m79, 1m80 et est fort. À 21 ans, il domine tout le monde au fleuret. Donc, à 21 ans, il avait déjà sa sacoche, quoi. 21 ans, il avait déjà une brillante carrière très connue. Et on dit même qu'il aurait battu, justement, à cet âge-là, Alexandre Picard Bernon, qui était un ancien maître d'armes, justement, de la Légion. Un officier, un très grand officier. À l'âge de 21 ans, il l'aurait d'abat, il l'aurait battu. Il a battu pas mal de gens. Et lorsqu'il a battu justement cet homme-là, son père lui a offert un cheval et une calèche en cadeau, avec laquelle justement il a circulé. Hein. Il avait circulé dans les rues de Paris et tout sur cette calèche-là et tout. Tellement il était... Et on raconte pas mal d'anecdotes sur lui. Hein. Vous vous rappelez en début de live, justement, quand vous voyez justement Claude Ribé s'exprimer, Claude Ribé dit qu'il y avait tellement d'anecdotes qu'on disait qu'il était capable de traverser la Seine, hein, qui est l'un des fleuves de Paris, qui était capable de traverser la Seine d'une main en tenant avec son fleuret, en fait. Il traversait la Seine simplement en tenant son fleuret d'une main. Et ça, c'est l'anecdote aussi très rapide, aussi rapide que le vent. Vous voyez? Il a battu le chevalier Déon. C'est le chevalier Déon que je vous ai montré tout à l'heure, celui qui s'habille en femme là. Voilà, c'est lui qu'on appelle le chevalier Déon. Voilà, c'est lui qui avait l'habitude de se travestir. Bon, ça, si vous voulez savoir pourquoi, il faut aller taper chevalier Déon. Vous allez savoir pourquoi le gars là se travestissait. Vraiment, c'est... Mon ami, je suis fatiguée déjà. Maintenant, sa carrière musicale, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a énormément de choses hein, sur sa carrière musicale. Je pense même qu'il a écrit, tellement de concertos et tout. Mais on est obligé, quand on parle de sa carrière musicale, de faire un lien justement avec la franc-maçonnerie. Oui, parce que bon, déjà, c'est pas quelque chose de secret. Hein. C'est connu de tous hein, que c'est quelqu'un qui a été boosté par les loges de la franc-maçonnerie. Et c'est justement, on va raconter ce contexte-là, parce qu'à l'époque, c'était les francs-maçons qui lançaient socialement. On sait que ce sont les francs-maçons qui ont lancé, par exemple, voilà, qui entouraient Mozart, Bach, tous ces gens-là, c'était les francs-maçons. Coucou tonton Aftab, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Hé hey, tonton, ça va? Bienvenue, il y a notre tonton qui est là ce soir. Coucou tonton Aftab, merci d'être là. Donc, à l'époque, c'était la franc-maçonnerie qui boostait tous ces gens-là. Quand on voit Mozart, Johann Sebastian Bach, tout ça, c'était la franc-maçonnerie. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose de choquant à l'époque. Mais pour nous, effectivement, sous notre regard identitaire, on comprend effectivement que c'était une personnalité qui a été récupérée. Effectivement, et ben, la franc-maçonnerie l'a lancée à cette époque. Ce n'est pas un secret, hein, c'est quelque chose vraiment au-dessus de tous. Quoi. Donc, on ne peut pas parler de sa carrière musicale et ne pas parler de son lien avec la franc-maçonnerie parce qu'il a même créé des symphonies, il a créé pas mal de choses pour les loges et il y avait même des musiques de rituel qui avaient besoin d'être écrites, composées. C'était des grands musiciens qui le faisaient. Donc, l'histoire des loges de la franc-maçonnerie et de ces grands musiciens, vous voyez, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et quand on parle de lui, effectivement, très lié, on ne peut pas les dissocier.
toute façon, son talent a fait l'unanimité. Hein. C'était un violoniste virtuose. C'était un chef d'orchestre. C'était un compositeur de talent. C'était un auteur, comme on disait tout à l'heure, de nombreuses sénates, de concertos pour violon et d'œuvres dramatiques. Il a aussi écrit pas mal de pièces qui pouvaient se jouer à l'opéra et tout ça. Et à un moment donné, beaucoup ont commencé à l'appeler le Mozart noir. Le Mozart noir. Chose que lui-même n'appréciait pas. Déjà né 11 ans avant Mozart et mort 8 ans après Mozart, il n'aimait pas trop déjà qu'on le compare parce qu'il estimait qu'ils n'avaient pas le même parcours. Mozart, c'était un musicien, point. Le chevalier de Saint-Georges, c'était un musicien, un sportif, un militaire, s'il vous plaît. Voilà, il n'y avait pas photo, ce n'est pas pareil en fait. Et quelque part, dire le Mozart noir, c'est un peu comme si c'était la copie de Mozart. C'est comme si c'est Mozart qui est l'original. Et puis l'original, et puis lui, il est une copie version noire. Non, Mozart, ok, est Mozart, et il y a le chevalier de Saint-Georges à part. Donc, beaucoup discutaient notamment de Claude Ribé, là, même pas trop quand on parle de Mozart noir. Donc, je me suis plus calquée sur ce qu'il disait. Donc, soutien justement au roi Louis XVI, comme je vous disais, hein, très proche de Marie-Antoinette, puisque c'est grâce à eux qu'il a accès justement à l'Académie royale de Paris. Donc, c'est eux qui lui ouvrent ces portes-là. Donc, c'est quelqu'un, en fait, de toute sa vie, hein, parce que né d'une esclave, il était quand même réduit. Sa destinée était quelque part de rester comme ça. Mais progressivement, grâce à son talent, son étoile et ses capacités, il a pu s'offrir, s'ouvrir un chemin, un chemin, un chemin, un chemin. Donc, comment il a intégré le milieu des francs-maçons? Voilà. Comment il a intégré le milieu des francs-maçons? Alors, il faut savoir qu'il était très proche à l'époque du duc d'Orléans. OK? Il était très proche du duc d'Orléans. Et le duc d'Orléans, à l'époque, était le grand maître du Grand Orient. Donc, c'est venu comme ça parce qu'il était très proche du duc d'Orléans, qui à l'époque, ce fameux duc-là, était le grand maître du Grand Orient de France. Donc, le duc d'Orléans fait initier justement Joseph de Boulogne, justement, à la loge des Neuf Sœurs. Et la loge des Neuf Sœurs, c'est une loge où il y a eu beaucoup de penseurs, des Lumières, et Voltaire même est de cette loge-là. Parce que je rappelle que nous sommes à l'époque des Lumières. L'époque des Lumières, Voltaire, Diderot, Rousseau. On est dans l'histoire, on se repère dans le temps, repère chronologique. D'accord? Donc, on l'initie à la même loge que les autres là. Une loge qui a été fondée en 1776. D'accord? La loge des Neuf Sœurs. Et c'est comme ça que Joseph, justement, de Boulogne, devient le premier franc-maçon métis. Ils disent mulâtre, mais moi je dis, je mets métis. D'accord? Et nous sommes à l'époque du 18e siècle. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'à l'époque, la franc-maçonnerie, comme je vous disais tout à l'heure, et les lumières, la musique, c'est très proche. Puisque, comme je vous dis, c'est quelque chose au niveau social qui est, c'était les classifications sociales de l'époque, en fait. On sait très bien qu'ils étaient très introduits dans le milieu musical, comme je vous disais, Mozart, Cherubini, Bach, tous ces gens-là étaient en lien avec la franc-maçonnerie. Et ils composaient des musiques pour les rituels des francs-maçons, des musiques spécifiques pour leurs rituels à eux. C'était ces gens-là qui faisaient ça. Et lui aussi, il l'a fait, hein, puisqu'il était initié. Et il y avait des concerts, et justement un concert qu'on appelle les concerts des armateurs en 1772, qui a été présidé justement par Joseph de Boulogne, le chevalier de Saint-Georges. Un deuxième concert qui est le concert de la loge olympique après 1781, puisque ce concert est venu remplacer le premier. Je vais voir si on trouve des images. Le concert de la loge olympique. Et là, on est toujours dans la franc-maçonnerie.
Voilà. Donc, même malgré les loges et tout, il y avait ce qu'on appelle les sociétés musicales. Voilà la loge olympique. Le concert de la loge olympique, créé par le chevalier de Saint-Georges. Et voilà un petit peu la pièce. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Donc, c'était ça. Et ça, on est en 1781. C'est ce qu'il avait créé pour les musiciens des francs-maçons. C'est lui qui a vraiment créé tout ça. Donc là, c'était une salle. Sur le dessin, vous voyez la salle, la représentation, la salle des concerts là, spécialement justement pour les francs-maçons. Et concert de la loge olympique. À la base, on est sur quelque chose qui avait été créé pour les francs-maçons. Et le son est toujours là, hein. Cette musique est restée, hein, puisque vous voyez, vous avez les partitions et tout. Et c'est quelque chose qui se jouait exprès pour eux. Donc, c'est gravé, hein, de toute façon, hein, son lien avec la franc-maçonnerie est complètement gravé. Vous voyez, c'est vraiment gravé. Ce que moi, je trouve malheureux, c'est sa triste fin, parce que quand on voit quand même qu'il a été une étoile, hein, on voit bien quand même que il a fait pas mal de choses, je trouve vraiment. Et c'est ce qui est déplorable en fait, hein, avec ce brillant parcours, d'avoir une fin aussi triste, des biens confisqués. Voilà, c'est dommage en fait, hein, puisque il a vraiment très, 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 très mal fini. Alors, avant même de parler de sa mort, on va quand même parler du caractère négrophobe. Hein. Il a eu des discriminations parce que moi, je vous ai parlé du verre à moitié plein, des portes qui se sont ouvertes, mais malgré tout ça, le plafond de verre, hein, toujours ce fameux plafond de verre qui est lié à votre couleur, à votre origine. Hein. Très souvent, on y revient encore. On voit bien en fait que en 1776, il est très bien placé pour briguer la direction de l'Opéra de Paris. En 1776, ça devait être pour lui parce qu'il avait tout, hein, la position, la musique, la stature, l'expérience, le talent, les capacités, tout était là. Et puis la bouteille, l'histoire, hein, il avait tout, les connaissances, l'éducation, tout. Mais non, il n'a pas le poste. Pourquoi? Attention, ce ne sont pas ses concurrents, hein, qui l'ont barré. Hein. Non, 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 non. Ce sont les demoiselles de l'opéra elles-mêmes qui disaient refuser de se soumettre à un chef d'orchestre mulâtre. Je répète leur terme, mulâtre. Il était hors de question qu'elles dansent, qu'elles s'abaissent pendant que le chef d'orchestre allait les contrôler, qu'il était hors de question, hein, que leur conscience leur interdisait de se soumettre devant un mulâtre qui leur aurait dit de danser, de se lever, de se baisser. Non, 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 non. Et c'est comme ça que notre Saint-Georges se fait têche, comme j'aime si bien le dire, se fait têche après tout cet exploit, après tout ce travail. Il arrive comme ça, le nez devant l'Opéra de Paris, et puis, bon, on va aller plus loin, non? Bloqué. Non, 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 non. Toi, être noir, toi, avoir origine noire, toi, avoir origine négro, toi, pas passé, non, non, non. Juste pour le coup, non, 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 pas pour toi. Tu peux danser musique pour les francs-maçons, faire ce que tu veux, les armes, ok, tu parles à la guerre pour nous, tout, 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 mais Opéra de Paris, non, 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 non. Tu te vois, non? Non, voilà. Donc, il a lu l'heure, on lui a fait lire l'heure en fait. Voilà. On lui a fait lire l'heure, on lui a rappelé ce qu'il avait oublié, quoi. Voilà, ce qu'on oublie parfois, vous voyez, non? La manière dont on nous rappelle souvent, voilà. Souvent on est là, on se dit c'est doux, c'est doux, c'est doux, et puis on arrive, mandiola, pa! Prr, pa! Comme on dit chez nous là, on brûle pa!
On lui a fait ça du Opéra de Paris. On lui a rappelé que, bah, voilà. Dans tout ça là, zéro. Ouais. J'étais énervée, je vous dis ça comme ça là, mais mince. Ensuite, ça c'est la partie 1. Maintenant, partie B, comment il est mort? Il meurt dans un état voisin de la misère en 1799. OK? Il meurt en 1799. Pratiquement dans la misère. Chez son ami Nicolas Duhamel, qui était un frère d'armes, en fait. Hein, un ami officier avec qui... voilà. Il meurt chez lui en 1799, privé de ses revenus. Donc, toute sa thune, tout ce qu'il a travaillé depuis du temps qu'il était avec Nano esclave, là. Comment il a ramé, là. On lui a tout coupé. Bandjaram. Les événements politiques, toutes ces dernières années-là, dans la misère, à tendre la main, à quémander, à quémander, à quémander. Il tombe dans l'oubli après sa mort et est supplanté par les compositeurs romantiques. Puisqu'on vous se rappelle qu'à l'époque de sa mort, on est dans les années 1800, puisque 1802, il y a encore les thèses négrophobes qui remontent, les thèses raciales à l'époque en France. Hein, je vous parle du Code Noir qui battait son plein. On est dans les années 1800. 30 ans avant les colonies, puisque les colonies, je vous dis, c'est, on se rappelle bien, c'est 1830, vous voyez? Donc 1802, lui meurt en 1799, 3 ans après, il y a les thèses raciales là, qui arrivent et tout. C'est pas bon, vous voyez tout ça là, c'est comme ça qu'on l'éteint en fait. C'est comme ça qu'on commence à l'éteindre, on l'éteint complètement. Vous voyez, le mec, on l'éteint totalement. Il est totalement éteint. Du coup, il est éteint et on vient supplanter justement son travail en nous citant du Mozart et tout, et tout, et tout. Et c'est comme ça qu'on l'a remplacé. C'est comme ça qu'on l'a fait disparaître en faisant venir Mozart et tout, quoi. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Nickel, super, si vous m'entendez. Donc, vous voyez, non? C'est comme ça, on le tèche, on finit avec lui, là. Et c'est comme ça, il est mort. Et du coup, c'est pour ça, depuis le début du live, vous vous rappelez, j'ai commencé avec la chronologie. Si vous vous rappelez bien, j'ai bien commencé avec la chronologie. Pour que vous ayez les dates dans vos têtes. Les années 1800, là, c'était pas bon pour nous. C'était bad. C'était vraiment pas bon. Vous voyez donc, il est né vraiment à une période où on faisait ça dur. Et c'est d'autant plus respectable parce qu'il a été une étoile malgré cette époque où tout était fait pour le comprimer, pour le presser. Mais voilà, il a sorti, il a forcé. C'est quelqu'un qui a forcé son destin et qui a eu, en fait. C'est juste que la fin
Et aujourd'hui, en fait, on retient plus Mozart. Là, aujourd'hui, il y a des démarches, hein, des choses qui sont faites pour le réhabiliter. Quand on va lire les sources et tout, il y a pas mal de choses qui sont faites. Mais il faut expliquer, en fait, pourquoi ce silence, pourquoi on ne parle pas de lui et tout. Parce qu'effectivement, il y a la période, il y a la couleur, mais ce ne sont pas les œuvres. Il était extrêmement brillant. Moi, je ne suis pas assez, je ne m'y connais pas pour venir le comparer à Mozart et tout. La musique classique, je n'y connais rien du tout. Mais ce qui est certain, c'est que si on osait même associer son nom à Mozart, moi, j'ose croire qu'il était même meilleur. J'ose croire, parce que moi, pour moi, il excellait dans trois, il avait trois talents différents. Outre les armes, l'escrime et la musique. À l'époque, déjà, être très bon dans l'un, c'était exceptionnel. Mais dans les trois domaines, il était brillant. En fait, il a été marqué dans chaque domaine. Même franc-maçonnerie, où il a été initié, cela n'a pas été inaperçu. Donc, c'est quelqu'un, partout où il passait, il déposait un aura terrible. Vous voyez? Et c'est la fin, en fait. C'est la fin qui attriste. Mort ainsi, et on enterre même ses œuvres en cache pour élever Mozart. Donc, on a vraiment monté Mozart et encensé. Attention, on ne dit pas que Mozart n'est pas bon. Et encensé Mozart pour le taire et le dissimuler. Vous voyez? Je mets les liens parce qu'il y en a qui voulaient monter. Je mets le lien pour ceux qui veulent monter. 10-15 minutes avant qu'on ne se sépare. Donc, si vous voulez des sources, ça va être hyper intéressant. Je vais vous citer quelques... On va aller voir quelques sources quand même. Il y a le film que vous voyez là, hein, que je vous ai annoncé en début de live. Donc, c'est le film qui s'appelle Chevalier, qui est sorti en 2023, donc il y a 3 semaines. C'est un film tout frais qui est apparu il n'y a même pas un mois. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est d'actualité. C'est intéressant à aller voir. Donc, à part le film Chevalier, vous avez des livres et tout. Donc, ça, c'est ce qu'on va regarder. Les livres, je vais vous les citer hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Moi, je vais m'acheter un de ces livres. Je n'ai pas encore eu le temps là, mais comme je suis en déménagement, mais ça fait partie des livres que je... Celui de Claude Ribé, en plus, bon, comme c'est écrit par un frère qui connaît bien les réalités de l'époque, j'ose croire que les recherches vont être vraiment un petit peu plus profondes, en fait. Hein. Voilà. On va regarder un petit peu les livres parce que c'est bon à savoir, quoi. Voilà. Alors, les livres, ils sont là. Vous voyez, je vais mettre les images parce que... Alors, pour les livres, vous avez un livre. Il y en a pas mal de Claude Ribé. Hein. J'ai vu 4 ou 5 livres de Claude Ribé, documentaires, film qu'il avait fait avant le film de 2023. Donc déjà, si vous voulez chercher Chevalier Saint-Georges, vous tapez Claude Ribé. Il a aussi pas mal travaillé sur le général Dumas, celui qu'on fait semaine prochaine. Claude Ribé a travaillé dessus. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très bon. Vous cherchez Claude Ribé, Chevalier Saint-Georges. Là, j'ai un livre là, Né esclave musicien et escrimeur au temps des Lumières. Tous ces gens-là, c'était le temps des Lumières au 18e siècle. Donc, vous avez le livre « Le Chevalier Saint-Georges », édition Talendier, de Claude Ribé, naturellement. Vous avez les « Mémoires de Saint-Georges », de Claude Ribé également, qui a écrit les deux. Moi, c'est « Mémoires » que je vais acheter, ça m'a l'air hyper intéressant. Vous avez « Le Chevalier Saint-Georges », mais cette fois, ce n'est pas Claude Ribé, mais de Roger de Beauvoir. Vous avez « Joseph de Boulogne », nommé Chevalier Saint-Georges également. Vous avez The Other Mozart, ça c'est en anglais, The Life of the Famous Chevalier, ça c'est en anglais. Vous avez également Alexandre Dumas, qui était le fils
du général Dumas, qui était justement le second du chevalier de Saint-Georges, Alexandre Dumas a écrit dans ses propres mémoires, donc vous achetez le livre « Mémoires d'Alexandre Dumas », il y a une partie dans ses mémoires qui est consacrée au chevalier de Saint-Georges, où il parle du chevalier de Saint-Georges, il parle de ses rapports avec son père, de ses liens et tout ça. Vous avez ça dans les livres d'Alexandre Dumas. Vous allez avoir aussi ben, le film YouTube là, qui a été produit par Stéphane Wallace et sorti en 2023, donc il y a quelques jours. Et vous avez naturellement toutes les compositions musicales, hein, celles que je vous montrais tout à l'heure, hein, celles de la Loge Olympique, et vous en avez beaucoup. Hein. Il y a par exemple également, depuis quelques années, des choses qui ont été mises en place pour honorer sa mémoire. Octobre 2005, l'Opéra d'Avignon a créé une pièce appelée « Nègre des Lumières ». Oui, je sais. On va faire comment ? Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ah, on prend seulement. « Nègre des Lumières ». Voilà. Avec deux actes musique et une autre partie jouée en pièce. 2006, nous avons un ballet. Là, on va jusqu'à la Havane, à Cuba, appelé « El Mozart Negro ». Joué dans un ballet dansé à la Havane. Voilà, 2009, Festival International Saint-Georges, 2011, en Guadeloupe, voilà, et un documentaire justement historique, comme on disait, créé par Claude Ribé. Coucou mon frère Philippe, comment ça va? Merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu nous entends? Je t'entends, au tep, Fleur. Au tep, mon frère. Comment je vais bien, merci. Et salut tous ceux qui sont dans le chat, mes frères et sœurs, les modérateurs. Et vraiment, je te remercie pour ce live qui est assez intéressant, qui montre carrément qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quoi. Ce qui se produit aujourd'hui, le mot plat. C'est depuis. Ce n'est qu'une répétition, Nous tombons toujours dans le même panneau à tout moment. On n'a rien compris. J'espère que la prochaine génération comprendra vraiment ce que c'est que le plafond de verre, en fait. Ce fameux plafond de verre, je croyais que c'était nouveau. Hein. Je croyais que c'était à notre génération qui avait ce plafond de verre. Mais bon, il semble que c'est depuis très longtemps qu'ils ont institué cela. Et on ne s'était pas rendu compte du fait qu'ils sélectionnent toujours les meilleurs d'entre nous. Et au moment où il n'y a plus grand-chose à en tirer, allez, on te remet à la place que tu méritais depuis le départ. Quoi. On te renvoie. Et on te rappelle bien que toi, pas être comme ouais. Nous. Ce qui est... C'est triste. Mais c'est qui en tout cas. Ce qui est curieux de ma part, c'est qu'il n'a pas... En fait, il avait... En tant que métisse, il a hérité des talents de son papa qui était un skimmer. Donc, il était très, très brillant. Et très bien formé. Hein. Très, très bien formé par ses parents et également les amis de ses parents. De son père, je veux dire. Du côté de la maman, on peut comprendre que l'art, Il a hérité cela de sa maman. L'art, tu vois, c'est quelque chose, le côté sportif, le côté culturel, le côté stratège même d'ailleurs, c'est beaucoup plus kémite, tu vois. Donc, il a hérité de deux côtés. Un côté où ils sont des combattants, ils sont compétitifs, parce que cette petite vidéo que tu nous as montrée présentait un homme qui était... qui aimait de la concurrence, en fait. Il aimait les défis, il aimait les challenges. Ça, c'était sa passion, quoi. Il aimait beaucoup relever les défis. Et c'est pas trop un caractère qui est associé à nous. C'est beaucoup plus un caractère associé aux gens de l'autre côté, quoi. Ils sont toujours en train de relever des défis fous. Et il avait cela en lui. Et il avait également le côté de sa maman. Il a su agencer ces deux-là pour arriver où il est aujourd'hui, où il a fini en fait. Seulement, il y a un côté qui me surprend. On n'a pas trop parlé de son côté chômette, quoi. Il était beau gosse, il n'avait pas de femme. Non, ça c'est le film, hein.
Film, on a mis un beau gosse. Est-ce que dans la vie même, il était beau comme dans le film? Ah, parce que moi-même, quand j'ai capté le film, j'ai vu le gars comme ça. J'ai dit, hé, eh, ah, je dis, ah, ah, je dis, bon, on va aller regarder le film. Hein. Ah, pardon, si mon mari me voit, j'ai dit, je voulais juste regarder, c'est fini. On a vu. Mais dans les vraies images, bon, je ne sais pas. Je n'ai pas vu ce côté où on lui prête beaucoup de relations. Je ne sais pas. Hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui t'intéresse là-bas? Non, mais c'est inquiétant parce que tu dis... Pourquoi c'est inquiétant? Non, mais je veux dire, depuis son adolescence, il a eu la chance de ne pas être considéré comme... de ne pas vivre dans un environnement où il était considéré comme bien meuble parce qu'il vivait à Bordeaux. Et à Bordeaux, il était affranchi. Il a été affranchi. Là-bas. Voilà. Donc, mais le racisme était toujours là, mon frère. D'accord. Même si le racisme est toujours là, il a quand même la possibilité d'approcher d'autres personnes de sexe différent et de se faire des petites amourettes de gauche à droite, quoi. Il semble qu'il n'était pas du tout trop de ce côté-là. Parce que même à 21 ans, même ayant les titres, même étant chevalier, on ne voit pas les gens courir, des femmes courir à ses côtés, quoi. Il y avait pourtant des mulâtres à Bordeaux. Ils pouvaient bien, ok, les femmes blanches étaient inaccessibles, mais il y avait les mulâtres qui aussi avaient un certain privilège dont ils pouvaient dire, voilà, entre mulâtres. On dit qu'il sortait avec, puisque maintenant que tu me dis, je viens de trouver, il aurait une liaison amoureuse avec la marquise Marie-Joséphine de Montalembert. Ah, okay. Qui était une salonnière et romancière, qui était la jeune épouse d'un général. Et que, justement, c'est pour se venger de ça qu'on l'a chopé une nuit et il l'a agressé, en fait. On lui a coupé les doigts et tout. Voilà. Il l'aurait cherché, mais je dis, il n'a pas... Parce qu'il a sorti avec la femme du monsieur. Il bégayait aussi. Mais... On dit un très bel homme. Mais qui bégayait, voilà, il bégayait et tout. A priori, c'est ce qu'on dit. Non, mais au-delà de ça, qu'il soit excité à récupérer la femme d'un général, c'est lui qui l'a cherché, mais il avait les privilèges. Moi, je dis, avec l'auteur où il était, il y a quand même les filles qui devaient courir autour. Il y a quand même, on ne va pas... À moins que la situation, le contexte ne le mettait à pas, l'isolait en fait des femmes. Je ne sais pas comment c'était, mais il devait avoir des privilèges, des facilités à avoir les femmes qui couraient à ses pieds, quoi. Et ça, c'est un. Mm-hmm. Ça, c'est un côté qui me fascine un peu. Je suis un peu curieux de savoir pourquoi il a fini sans avoir un enfant, quoi. Il n'a pas eu de femme. Donc, était très jeune, hein, parce que quand on voit date de naissance 1745, il meurt en 99, il n'a pas fait 60 ans ou 75 ans. Hein. Oui, mais si la mort m'a... Il a été vite, hein, il a commencé à 13 ans, 14 ans, 20 ans. Oh, à cet âge-là, tu as la fougue dans le sang. Et tu as aussi beaucoup d'adrénaline, ma sœur. Tu sais bien comment nous sommes. Les hommes qui ont la fougue sont aussi très chauds. Hein, ils ont besoin ils ont une testostérone assez élevée, quoi. Donc, un enfant, quand même, pouvait sortir d'une de ces nuits, et surtout qu'à cette époque-là, on se rappelle, les femmes... Il s'est né à 54 point. Ans. Voilà. 54 ans, ouais. Lui, il avait eu le temps, il pouvait avoir. Il a eu le temps. Et en plus, le deuxième point est le suivant. À cette époque, vers les 1700, les femmes, c'était des biens meubles aussi. Hein? Aïe! Ah, mais oui! C'était des biens meubles. Non, il fallait faire ce service. Non, donc, je baisse pour qu'il voit bien. Voilà. Non, je veux dire, les femmes en Europe, elles n'avaient aucun droit. Elles ont commencé à avoir les droits à partir de 1800 quelque chose. J'ai même encore fait un contrôle là. Donc, même pour voter. En France, surtout à partir de 1804, elles avaient le droit d'obéir à leur mari, au droit à l'œil. Elles devaient obéir, en fait. Elles étaient comme des chiens, des chiennes. Elles étaient dans l'obéissance. Elles ont commencé, c'est vers 1900, 1944,
qu'elles ont même le droit de voter, en fait. Donc, nous sommes encore à 1700 où elles n'ont aucun droit. Alors, à cette période-là, la question est, ces femmes qui ont humilié ce chevalier le jour du concert à Olympe, c'était carrément des... Elles exécutaient juste des ordres des hommes qui ont été donnés. C'était un sabotage. Oui, c'est un sabotage. Moi, j'ai trouvé ça... Je ne sais pas. Non, c'était un sabotage parce qu'elle n'avait aucun droit à cette époque-là. La marquise peut avoir le droit. Tu vois, la duchesse peut avoir des droits. Mais les autres femmes, c'est pas possible. Elles n'avaient aucun droit. Aucun. Donc, c'était juste un coup monté pour le salir publiquement. Mais d'un autre côté, il fallait bien qu'il se rappelle d'où il vient. Il avait perdu ça, quoi. Il avait perdu cette notion-là. Et on ne l'en veut pas aussi, hein, parce que tu l'as très bien décrit. Tu as fait comprendre qu'il allait à Bordeaux de très jeune, quand même, à 2 ans. Mm-hmm. À l'âge de 2 ans. Donc, il n'était même pas conscient de sa nature d'esclave, en fait. Ça veut dire qu'il... Il n'a même pas compris bien l'esclavage que vivait sa mère. Il n'a pas vécu pareil, quoi. Il est sorti. Ouais. Il n'a pas eu les mêmes réalités. Il n'a pas eu la même réalité. Il n'a pas vu sa maman trimer. Il n'a pas vu comme les coups de fouet. Non. Et voilà. Ça fait partie d'une réalité que beaucoup ignorent. Mais en fin de compte, il y a ce plafond de verre qui les ramène. À leur place. Ce qui est gênant, c'est que le plafond de verre se présente toujours au moment où tu ne t'attends pas du tout et où tu n'as plus assez d'énergie pour te relever, quoi. C'est carrément quand tu n'as plus rien à apporter, quand tu es déjà fini, quoi. Tu crois être arrivé, comme quelqu'un le disait. Tu n'as plus rien à donner de nouveau. Alors là, on dit, allez, on ne te garde pas ici parmi nous parce que tu ne fais pas partie de notre catégorie. Retourne à ta place, quoi. Bien sûr. Retourne à ta place. Non, mais c'est une très bonne présentation que j'ai appréciée parce que le chevalier noir, je n'en avais pas. J'avais entendu qu'il y avait une personne qui était plus brave que Mozart, un noir qui a brillé plus que Mozart, mais je ne savais pas qu'il avait une histoire assez chargée comme ce que tu viens de nous décrire. C'était impressionnant, en fait. Et plus et impressionnant, c'est que... Tu n'as pas décrypté ce que tu pensais de ça. Je ne veux pas, moi. Je ne veux pas mettre mon petit doigt là-bas. Parce que ce sont des gens qui l'ont beaucoup boosté. Et il semble qu'en Guadeloupe, beaucoup, beaucoup de gens sont dans la franc-maçonnerie justement à cause de ce modèle-là. Tu vois ce que je veux dire? Sur le plan social, ça a attiré beaucoup de Noirs, beaucoup de... Parce que ils ont pu intégrer justement des métis, des Noirs. Il a été le premier. Et il semble qu'à l'époque, après, il est devenu un peu comme un modèle où beaucoup de Noirs, de métis, ont intégré la franc-maçonnerie à cause de ce fameux chevalier de Saint-Georges qui a été le premier métis noir franc-maçon à l'époque. Tu vois? Non, j'ai bien suivi. Mais je préfère ne pas m'aventurer parce qu'il y a... Il y a une question de contexte. Non, pas parce que j'ai peur. Tu me connais très bien, Fleur, car ce n'est pas parce que j'ai peur, mais parce qu'il y a une question de contexte. Tu l'as bien présenté à cette époque. Comment est-ce que c'était vu, la franc-maçonnerie, aux yeux de la population, aux yeux du monde, en fait? Est-ce que c'était vu comme une église, comme en ce moment, nous voyons l'église, tout simplement, on dit voilà, c'est l'église, ou bien on voit l'ONU, on dit que voilà, c'est l'ONU. Est-ce que c'était vu comme, disons, une association, comme une institution, en quelque sorte, réservée à certaines catégories de personnes. Est-ce que c'était un peu comme aujourd'hui, on a Disney, Chanel, on a les maisons de disques, tu vois, comme les... On appelle ça quoi, là? On a énormément de maisons de disques que quand on souligne, tout le monde dit « Ah, ok, d'accord ». C'est ceux-là qui produisent les artistes, tu vois. Est-ce qu'ils étaient vus plutôt comme des gens importants pour lancer les artistes, pour lancer les intellectuels, pour lancer
est-ce qu'ils étaient vus comme une organisation bénéfique? Nous, en ce moment, cette période où nous vivons en ce siècle, on a une autre vision de la franc-maçonnerie. Pour m'hasarder sur ça, il faut que je voie un peu une question. C'est une question de contexte, en fait. Mm-hmm. C'est pour ça que je m'hasarde pas, parce que je ne sais pas comment ils étaient perçus à cette période-là. Ça marche. Merci beaucoup. Moi, je comprends, quoi. Le contexte historique. Otep, j'espère que tu vas bien. J'ai la parole. Est-ce que Oum nous entend? Ne dis pas que Oum a encore les problèmes de son, hein? Oum nous pérette. Parce que Oum avait souvent les problèmes de son quand il montait. Vous vous rappelez, non? Que devient Dina Noir? Oui. Il va revenir. S'il est monté, il sera là. Oum, on descend, tu reviens, Oum, si ça marche bien. Vous avez des nouvelles de Dina Noir, là? Ça a duré, hein? Je vais lui écrire, là. Oum, si tu peux descendre et remonter, on ne t'entend pas, frère. Ah bon, Soso dit quoi? Des métisses, ça se fait encore, se font rejeter le boulot pour ça. Ah bon? Oui, c'est qu'il faut bien voir le contexte. Hein. Il y avait ce problème-là où... Et c'est là, je trouve quand même qu'il y avait une belle hypocrisie dans la société parce que, bon, son statut de métis, père noble et tout, on lui a octroyé des droits, certains statuts, mais en même temps, tu vois, ce fameux plafond de verre, puisqu'on lui a rappelé encore son côté noir, il n'a pas pu justement aller à l'Opéra de Paris, tu vois. On lui a fermé les portes de l'Opéra de Paris en lui rappelant justement son côté noir, quoi. Ça, on dit les métis aussi, c'était d'autres réalités à l'époque. Hein. C'est, ça, je dis, bon, moi, perso, je n'aime pas qu'on assimile les deux histoires. C'est deux réalités à l'époque. Ils ont leur propre réalité, quoi. Quand on voit ça aussi, c'était chaud, vraiment. Bébé Ange, merci beaucoup. Oui, le contexte, hein, à l'époque, vous voyez, l'époque, on est à un carrefour, en fait. Il naît dans les années 1745 d'une mère esclave. Donc, on est en plein dans l'esclavage. Père Colomb, en pleine Guadeloupe. Ensuite, il arrive à Bordeaux, où il y a l'édit de Louis X, qui dit que tout esclave qui franchit le sol de Bordeaux est affranchi. Donc, il vit, c'est pour que vous voyez socialement tous les mouvements. Donc, comme Philippe Phil l'a expliqué tout à l'heure, sur le sol de Bordeaux, il est affranchi et a la possibilité, hein, noble et tout ça, il a les mains larges, en fait, puisque son père va faire les papiers chez le notaire et tout pour qu'il ait accès. Donc, effectivement, c'est sur le sol de Bordeaux qu'il a accès de tout ça et il a la possibilité de s'éduquer, la boissière, la pension, l'escrime, les tours. Après, maintenant, sur le champ militaire, il a la possibilité de commander, de diriger la légion, la première légion étrangère de France à l'époque, puisqu'on est à cette époque, dans les années 1790, la Révolution française, hein, 1789-1790, prise de la Bastille, si vous vous rappelez. Aussi, dans le champ de la musique, les capacités d'éblouir, hein, de déclore, de s'exprimer, de créer. Coucou Stevie, bienvenue Stevie Wonder, merci d'être là. Et dans l'escrime et tout, très connu pour son saut de ses duels. Mais on voit, il arrive même à intégrer la franc-maçonnerie. Et à l'époque, en plus l'époque des Lumières avec les nouveaux penseurs et tout, c'est vraiment exceptionnel. Et après tout ça, bim, le plafond de verre quand même. C'est ça qui a quand même une réalité violente. Vous voyez, le plafond de verre. Donc ça montre pour moi, c'est ma lecture, hein. Après chacun fait la lecture qu'il veut. Ça montre en fait que pas qu'on est condamné, ça ne veut pas dire que je suis fataliste. Mais ça montre quand même que dans les réalités, il y a une limite
En tout cas, le cadre qui t'est donné, dans ce... il y a une limite. Donc, c'est vraiment à toi d'aller au-delà de ces limites-là. Et tant que tu peux, quoi. Parce que là, pour l'Opéra de Paris, on dit que ce n'était même pas ses compatriotes hein, qui l'ont bloqué. Bon, pour Philippe, c'est un plan. Philippe dit que c'était un coup monté. Que ça ne pouvait pas être les filles là seules. Ça, c'est ce que Philippe nous tient. Oui, mais si Omnou Perrette était montée, je crois qu'il aurait encore confirmé cela. À cette période, les femmes n'avaient aucun droit. Donc, je me base seulement sur la position, la place de la femme pour dire qu'elle ne pouvait pas se permettre de dire toi. Oui, en tant que blanche, elle pouvait dire tu es mulâtre, ne me donne pas les ordres. Mais en tant que diminuée aussi dans la société, personne diminuée dans la société, le patron, parce que lui, en tant qu'orchestre, quand il vient se présenter dans un orchestre, il est validé par le patron. Et donc, si le patron du groupe dit que c'est lui qui sera le chef d'orchestre et le patron, c'est un homme, elles doivent se soumettre automatiquement, en fait. Mm-hmm. C'est comme si le roi disait, c'est lui le chef d'orchestre, et les femmes disent, non, toi, chef d'orchestre, je n'en veux pas. Exactement. On vous guillotine tout de suite, on vous guillotine. Ça ne perdait pas le temps. Donc, elles n'avaient pas la possibilité de se retourner contre lui. Si elles l'ont fait surtout à cette période-là, c'est parce qu'elles avaient l'aval d'autres personnes. Elles avaient l'aval d'autres personnes qui ont voulu le lui faire en ce moment-là, de cette manière. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Seulement, bon, d'un autre côté, voilà, il vivait une période aussi très dangereuse. Hein. Il a vécu dans une période très dangereuse. Il arrivait au sommet, vraiment. Vu la période, on dirait qu'il a traversé vraiment le plafond de verre qui lui était destiné. C'est énorme, en fait. Ah, tu es ému comme ça. Ah bon? Je vais te laisser conclure, hein, mon frère. Parce que je pense qu'on a tout dit. Ah, tout le monde est ému. Non, mais c'est, ça montre le potentiel qu'on a, en fait. Ça montre un grand potentiel. On est très bon, mais ce qui est embêtant dans tout ça, c'est toujours... Quand on est aussi bon pour rechercher la validation blanche. C'est mental. Voilà. Parce que pendant qu'il faisait tout pour se faire reconnaître par les autres, se faire apprécier, se faire aimer, il y avait quand même on ne peut pas dire que dans l'armée, et avec le poste de responsabilité qu'il occupait, il n'était pas conscient qu'au-delà de Bordeaux, il y avait une chose qui se tramait sur les Noirs, sur les personnes qui avaient la même couleur que sa maman. Il ne peut pas dire qu'il était au courant de ça. Il était très au courant de ce qui se passait du côté des Noirs. Mais il avait adopté, et c'est aussi un problème qui se passe dans la tête d'un bon nombre de métis, c'est choisir. Il a choisi le côté. Voilà, il n'a pas le choix. Il a eu l'éducation blanche. On en revient à la culture. C'est ça. Tu comprends, non? Est-ce qu'il y a eu le cadre pour lui enseigner l'ancestralité noire? Tu comprends ce que je veux te dire, non? La culture. C'est vrai. Il paraît que quand on fouille du côté de la mère Nanon, elle serait de base du Sénégal. Donc là-bas, à l'époque et tout, mais qui va lui enseigner la culture noire à l'époque? C'était le vide, tu vois, non? Le père l'a chopé. Mmh. On te dit dès l'âge de 2 ans. Il a été mis dans le cadre pension 10 ans, 13 ans. C'est fini. Tu vois? C'est fini. Ouais, c'est totalement vrai. Est-ce que Attraction nous entend? Au tempo, Attraction. Attraction K. Est-ce qu'elle nous entend? Attraction.
On ne t'entend pas du tout, la belle. Hein. Peut-être qu'il y a un problème de connexion, hein, parce que avec Oumnou Pérez, il se connectait. Ah, là, on l'entend un peu. Attraction, c'est bon? On a entendu vite fait la voix là, de la sœur. Est-ce que c'est bon, attraction? Voilà, qui aurait choisi le côté... Est-ce que vous entendez attraction? Non, non. Il y a un problème de connexion là. Est-ce que vous entendez? Ah, là, on t'entend un peu mieux, oui. Ça coupe, hein. Je pense qu'elle a un problème de connexion, la sœur. Oui, mais il semble qu'elle parle, mais ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, c'est trop accéléré pour qu'on comprenne quoi que ce soit. Oumnou Pérez a dit tout à l'heure que lorsqu'il se connecte, son micro... Mais lui, il a toujours eu des problèmes de micro, en fait. C'est pour ça, pour Oum, je n'ai pas... Parce qu'il n'a jamais pu, avec ce logiciel, avec ce stream-là... On ne t'entend pas, ma belle. Ça coupe, en fait. Est-ce qu'elle veut sortir et revenir? Oui. Est-ce qu'on l'entend après sa coupe? Je ne sais pas pourquoi. C'est toi qu'on attend pour conclure, hein, la belle. Oui, essaye de descendre et de revenir. Bon, je te laisse faire la conclusion, Philippe, hein, avant que je ne conclue. Sinon, le live va ramer. Là. Ok. Ah non, moi, ce que je retiens tout simplement, c'est que c'est un génie, ce jeune homme, qu'on appelle Chevalier Noir. C'est un génie. Il n'est même pas un Beethoven noir. Il faut qu'on arrête quand même des bêtises. Un Mozart noir, non. Il est beaucoup plus que ça. Il est tout simplement le chevalier noir, tout simplement. Il était très bon. Ah, je laisse d'abord l'autre compte. La soeur est revenue. Ah, là, on t'entend mieux. Otep. Allô? Ah, là, on t'entend. Allô, oui. Otep, tout le monde, ça va? Ça va, attraction, ça fait plaisir, Reine, de te voir. Mais la queen, qui c'est qui je suis sur TikTok? Non, c'est qui? On a intervenu, je suis Kémit d'abord. Ah, c'est toi? Et c'est toi qui es Reine aussi? Eh oui, sur YouTube, je suis... Mais pourquoi tu n'as pas dit que tu étais Reine? Moi, je ne te connais pas sur TikTok, tu vois. Oui, donc en fait, moi, je reviens un petit peu sur YouTube. Bon, bref. Ça coupe. Je ne sais pas si vous entendez. Bon, ça coupe, hein, ma sœur. Le tout-ci, là, je pense que je vais laisser Philippe conclure, on fera. Sinon, le live va ramer, quoi. Ah, ok. Alors, comme conclusion, je dirais... 15 minutes, là. Le live, tu comprends ce que je veux dire, non? Ça va être long, les coupes. Donc, même pour ceux qui regardent en replay, là, ça va...
Non, moi je dirais tout simplement que c'est toujours bien de rentrer dans l'histoire pour voir l'interaction que nos aïeux ont eue avec les autres. Bien quoi. Sûr. Et apprendre de cela pour comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est, y a rien de nouveau en fait. Je vois beaucoup de jeunes qui se plaignent le racisme comme si c'était nouveau, comme si c'était la première fois que ça s'installait dans le monde, mais en fait, c'est vieux, c'est très vieux. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est même un peu plus doux par rapport à avant. Donc, voir les jeunes se dire qu'à cause du racisme, ils ne peuvent pas aller loin. Je dis, attention, voilà des gens qui étaient considérés comme... Voilà un exemple, un qui était considéré comme bien meuf, qui a traversé des plafonds de verre incroyables, et qui arrivait à des niveaux que même des talentueux comme Beethoven et comme Mozart n'ont pas atteint. Ils n'ont pas eu ce rôle-là, pourtant ils étaient brillants. Donc il faut pas limiter notre potentiel au fait que d'autres personnes nous détestent. Ils ont besoin des personnes talentueuses. Et d'un autre, ça c'est un. Nous avons du talent. Leur racisme ou bien leur plafond de verre ou leurs intimidations, ça n'empêche pas le potentiel que nous avons. Nous le possédons, c'est dans les gènes en fait. Nous les avons. Donc, il faut les mettre, il faut tout simplement les sortir en nous et se développer soi-même. Ça, c'est un. Deux, arrêtons de nous développer pour plaire aux autres. Arrêtons de nous développer pour plaire aux autres. Pour le chevalet noir, après une petite analyse, il est clair qu'il n'était pas dans la même logique que nous en ce moment, parce qu'il avait quand même, il a grandi quand même dans les mains du maître, qui était son père, et c'était logique qu'il se sente blanc, même s'il avait la peau noire. Il faut bien qu'on voit qu'il a grand, il est né sur un sol européen, il a grandi avec les habitudes, la culture, la noblesse européenne. Donc, même s'il avait la peau noire, il ne se voyait pas noir, en fait. C'est d'abord l'esprit qui commande le corps. Donc, dans son esprit, il était blanc. Et c'est normal qu'il finisse là, même s'il avait le potentiel des noirs. Il est venu avec le potentiel des noirs et il avait un esprit, un mental blanc. Donc, dans son esprit blanc, il a fini sa vie assez bizarrement parce qu'on ne comprend pas comment il fait pour vivre 50 ans sans femme. Il fait 50 ans sans avoir d'enfant. Tout ce qu'il a laissé, il n'y a personne pour le défendre en fait. Qui défendra sa dépouille? On est en train de faire un live juste pour remonter l'histoire et dire voilà une personne qui est un oublié de l'histoire et pourtant il nous ressemble. Mais il n'y a personne qui peut dire voilà, j'ai le sang du chevalier noir qui coule dans mes veines. Je mérite qu'on sorte les dossiers de mon papa ou de mon grand-père ou de mes aïeux, des archives, et qu'on le fasse connaître dans la vie publique. Pourquoi il a eu cette vie-là? Est-ce que c'était la condition qui était imposée par la franc-maçonnerie à cette période? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était aussi laid que ça? Est-ce que c'est parce qu'il bégayait qu'il n'avait pas eu la possibilité d'avoir une compagne? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était impuissant? Il n'avait pas la possibilité, même s'il montait sur toutes les femmes de la République, il ne pouvait pas du tout se faire un enfant. Il y a trop de questions qui restent quand même sans réponse. Mais une chose est claire, il était talentueux. Et ce talent est très reconnu, que ce soit par nous et même par l'ennemi. Il faut le dire, c'est intéressant d'avoir des personnes comme ça. Ça booste le potentiel des gens de la communauté, surtout des jeunes. On peut avoir plusieurs talents et il suffit seulement de croire en soi et aussi d'avoir un grain de folie, parce que selon moi, ce petit grain de folie qu'il avait de dire « je vais devenir plus puissant que tous les autres », ce côté compétitif, de challenge, ça,
celle-là est élevée au rang, à des rangs vraiment impensables. Donc, je dis, c'est un très bon live. Et un live qui peut même être vu sur un certain angle comme un live de motivation, quoi. Comme les gens sont toujours en train de dire, ils sont à la recherche de la motivation. Ça, c'est un live motivant, en fait, pour ceux qui veulent avoir des références pour sortir de leur... Et s'il y en a qui veulent voir le film aussi, hein. Parce que moi, je vais aller le voir. C'est... Bon, je ne fais pas de pub, mais il vaut mieux des choses comme ça qui vous poussent après à vous documenter que d'aller voir des conneries que Netflix vous montre là. Bizarrement, le film là, les gens ne vont pas courir pour aller voir. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est instructif. Voilà, c'est ça la culture. Que d'aller voir vos conneries sur Netflix et qu'on sort là. Mais bon, bref. Ah, merci. Donc, avec ça, je conclue et je dis merci beaucoup, Fleurka. Et surtout, j'espère que... Non, mais moi, j'aimerais bien entendre la voix de ma sœur. Je l'ai vue à travers quelques images. Elle a un bon timbre de voix et j'aimerais bien connaître. Reine, peut-être qu'on l'a... Oui, là, c'est bon. Je pense qu'il y a plus de décalage là parce que je... Au thème. Là, je me suis mis sur mon portable. Ouais, là, je me suis mis sur mon portable et tout à l'heure, j'étais sur l'ordinateur, donc peut-être que c'est l'ordinateur qui faisait le décalage, en fait. Donc, ouais, OTEP, c'est un sujet très intéressant. En fait, je reviens sur YouTube, je vois que la qualité des sujets... moi, en fait, je ne connais pas cette histoire, mais par contre, quand je fais un parallèle, parce que je trouve que cette histoire me fait vraiment penser à celle de Michael Jackson, je ne sais pas pourquoi. Et surtout quand tu as dit qu'il a eu une mauvaise fin, tu vois ce que je veux dire? Donc il a été au sommet et après il a été comment dire, lâché comme un chien. Oui, lâché comme un chien, quoi. Exactement, il a été au sommet et après il a atteint un plafond de verre à cause de sa race. Et après s'être fait renvoyer et donc jeté comme un chien à cause de ce plafond de verre, et ben il a fini mal. Mais tu n'as pas vraiment raconté comment il a fini mal. J'aurais été curieuse animal. Et du coup, je vais aller regarder le film. Hein. Je vais aller regarder le film parce que j'ai vu les extraits. C'était très intéressant. Et puis j'ai bien envie d'aller voir le film. Ils vont pas dans le dire. Dans sa fin, en fait, il a fait une année de prison parce qu'il a combattu hein, justement pour la Légion. Et c'était à l'époque de la Révolution française. Comme il était proche de la reine Antoinette, là, qui à l'époque hein, était l'épouse de Louis XVI. Donc, il a été incarcéré pendant une année, déjà dans le cadre de sa carrière militaire. Dans le cadre de sa carrière musicale, on l'a cassé au moment où il pouvait accéder à l'Opéra de Paris. Alors, c'est ça qu'on expliquait et tout ça. Et du coup, ben, sorti de prison et tout, ben, il a été un peu cassé, il a commencé à rôder. Ensuite, on se retrouve dans les années, comme je disais, 1797, presque 10 ans après la Révolution nationale, la Révolution française, là, il est hébergé chez un ami à lui, là, qui est Duhamel, chez qui il décède, pratiquement dans la mendicité, quoi. Donc, c'est pour ça que je donne les dates, voilà, pour que tu vois les enchaînements, en fait. Oui, parce que on a cassé son âme, hein, en le faisant, en le jetant comme un chien de... On a brisé son âme, en fait, en le jetant de l'opéra. C'est bien, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Hein. Déjà, il avait hérité de son père. Et ensuite, il avait ses biens qu'il avait cumulés, parce qu'il était quand même proche des rois, des comtesses, des marquises. Donc, on lui faisait des cadeaux, et puis il avait des possessions, puisqu'il travaillait. Donc, il touchait des rentes. L'État a gelé ses biens. Donc, il est mort dans la misère et dans la dépression, hébergé par ce fameux Duhamel qui est un frère d'armes, un ami militaire, quoi, qu'il a connu à la guerre. C'est comme ça qu'il est mort. Et quand il est mort même, on a éteint ses œuvres musicales, puisque souvent, c'est quand tu meurs que tes œuvres brillent. Tu vois, non? On vend tes œuvres et tout. On l'a éteint et à l'époque, on a encensé Mozart. C'est ça, en fait. C'est qu'ils étaient à peu près de la même période et quand il meurt, c'est Mozart qu'on élève et c'est lui qu'on enterre, en fait. Tu as vu?
Donc, c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à Michael Jackson, parce que c'est, comme moi, j'ai bien connu, j'ai beaucoup étudié son histoire. Il y a une époque où il avait acheté, donc il avait racheté tout le catalogue des Beatles, mais il n'y avait pas que la musique des Beatles. C'était en fait un catalogue où il y avait plus de 300 000 chansons et beaucoup d'œuvres d'artistes blancs, en fait. Et en fait, ces chansons-là apportaient beaucoup, par exemple, à Sony Music, qui était le plus grand label musical. Et en fait, Sony Music avait vu ça d'un mauvais œil, qu'un noir puisse avoir autant de pouvoir sur la musique blanche. C'est-à-dire que quand on diffuse, par exemple, une œuvre de Madonna ou une œuvre d'Eminem, eh bien, ça allait dans la caisse. Une partie de l'argent allait dans la caisse de Michael Jackson, tu vois. Donc, ce qui fait qu'en fait, il allait maintenant s'asseoir des élites qui dirigeaient Hollywood. D'accord ? Il n'était plus qu'un simple artiste. Il était maintenant dans la direction, dans le truc de l'élite d'Hollywood. Et Hollywood, ils n'ont pas accepté ça, qu'un noir puisse se permettre en fait d'aller racheter des parts de ce qu'ils appellent le plus grand groupe d'Europe de rock au monde, à savoir les Beatles. Et en plus, les parts de musique de beaucoup d'autres artistes blancs. Donc, ils s'asseyaient maintenant à la table des élites des blancs, tu vois. Donc, c'est à partir de là quand Sony a commencé à mettre la pression sur Michael pour que Michael puisse revendre ses parts du catalogue. Michael a refusé de revendre ses parts du catalogue ATV parce que justement, ce catalogue-là comportait plus de 300 000 artistes, histoire de pédophilie est censée à sortir. Les histoires de pédophilie ont commencé à partir du début des années 90. Et comme il s'évertuait à refuser de vendre sa part du catalogue ATV, ils ont gelé ses... En fait, ils l'ont, ils l'ont bourré de trucs, des impôts, tu vois. Tu dois payer ci, tu dois payer ça. Tout d'un coup, ses anciens amis, tout le monde, ils ont gelé. Ils ont gelé ses comptes et puis c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au milieu des années 2010 avec à court d'argent liquide en fait, parce qu'il avait encore ses biens, ses maisons, etc. Et c'est pour ça que quand il est mort, vous avez entendu les médias, tous les médias qui disaient que oui, il est mort ruiné, etc. Mais en fait, c'est le système qu'il a étranglé pour que justement. Exactement. En fait, c'est exactement. Commençait à poser les bonnes questions, les questions de l'argent et de l'argent. Oui, exactement. Énormément de problèmes. Ouais. Parce que c'est ça. Parce qu'un artiste, surtout un artiste. Oui. Je pense que là, le retour. Oui, c'est bon. Là, je. Donc, ça m'a vraiment fait penser à son histoire parce que. Et peut-être si je l'ai lu, je ferai une petite fiche de lecture, celui de Claude Ribin. Je vous conseille en premier Claude Ribin. En tout cas, merci beaucoup à vous. Reposez-vous bien. Bonne soirée aux modérateurs. Bonne soirée à vous sur le chat. Bonjour et bonsoir à ceux qui vont nous regarder en replay. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un live consacré au général Dumas. Vous savez, le second du chevalier de Saint-Georges. Aujourd'hui, on a parlé de Joseph de Boulogne, le chevalier de Saint-Georges, de semaine prochaine, général Dumas. En tout cas, merci à tonton Aftab, merci à vous tous d'avoir été là. Et puis, ben, je mets le générique de fin et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao, ciao. Bonne nuit, famille.